Ah voilà, alors salut à tous et à toutes, bande de trutruf. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons jouer à Oblivion Online. Par contre, je ne sais pas du tout si le jeu est trop fort. Alors, déjà, il y a un truc qui me casse les couilles. Déjà, la musique est trop forte, je pense. Je vais devoir modifier ça. Attendez. Oui, voilà, ça c'est mon personnage. Attends, on va simplement réduire le son parce que je pense que l'audio est trop fort. Sous-titres, non, on s'en fout ça. Volume général, ouais. Voilà. Voilà, quand je suis en vidéo pour vous, pour jouer ensemble et tout ça, pour la vidéo du plaisir et du plaisir, tout simplement. Je vais faire ça comme ça, je vais mettre en tout. Donc bienvenue sur Oblivion. Je sais pas si c'est des vrais gens. Non, c'est pas des My. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est des vrais personnages, ça. Semble pas, je suis pas sûr. Oh. J'avais pas vu ça. Par contre, j'ai pris un. J'avais même pas vu ça, vous voyez? Donc, ouais, apparemment, c'est peut-être des joueurs, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai fait n'importe quoi là. Je pense que j'ai pris des trucs qu'il me fallait pas. Ah oh! Ah oui, c'est très joli. Alors voilà, donc comme vous avez vu, merde. Voilà, un peu, ouais, je vérifie un peu ce que ça donne. Mais j'aime bien celui-ci aussi. Je regarde un peu, hein, je regarde un peu ce qu'il y a. Ok. Ouais, bah il est bien aussi, hein. Il est très joli. Oh, je vais garder celui que j'ai, c'est bien aussi. Donc voilà, en fait on est sur Guild Wars, c'est ça, n'importe quoi. On est sur Underscroll Online, tout simplement. Je sais pas si ça sert à quelque chose ça. Et du coup bah, ici moi, dans le jeu bah, les graphismes sont au max parce que le jeu me le permet, mais après est-ce que c'est bien? Je suis en ultra au niveau qualité. Qu'est-ce que c'est beau. Et mon personnage est magnifique. Par contre, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est récupérer votre récompense. De quoi il parle? Récompense de quoi? Courrier. C'est là? C'est fait un courrier permet de vous envoyer de recevoir. Oui. C'est pas ce que je fais. Hein. Et je vais juste être tranquille en fait et qu'on me fout la paix. C'est bon là. Non, il y a toujours ce fameux truc récupérer votre récompense. Je sais pas d'où. Entrer un code. Inventaire cadeau. Peut-être là. Non, je sais pas. Voilà, il y a un bug. Je sais pas pourquoi, mais ça me marque toujours récupérer votre récompense alors que ben, j'ai rien en fait. Je vois pas trop ce qu'il veut me faire récupérer. Je sais pas du tout à quoi ça sert ces anneaux. Ah mais j'ai des fois une anneau en fait. Bon, soit on va y aller parce que je vais pas faire 6 ans. Eh bien, voilà qui est trop.
troublant. Je ne sais pas pourquoi, mais les éclats célestes tombent souvent en des endroits fort peu pratiques. C'est une des plaisanteries cruelles de Tamriel. Ramassons-le vite. Bien sûr, cependant, ne tardons pas trop. Ah oui, voilà, je devais aller faire récupérer le truc. Donc apparemment, il y a déjà des gens en ligne ici. Donc c'est intéressant. J'ai appuyé sur... Ah mais ça change rien. Ouais, ça marche pas. Ah, j'étais déconnecté parce que Internet déconne. Ça arrive souvent. Bah oui, j'ai toujours mes problèmes d'Internet. Hein. Jouer. Putain, Internet. Ouais, voilà. Je vais attendre qu'Internet revienne, quoi. Oh putain, il me fait chier à ce moment-là, ce connard. Bon, bah je vous reprends. Dès qu'Internet a terminé de faire son connard. Veuillez m'excuser, j'ai eu un problème d'Internet. J'espère que Bethesda vont pas me bannir parce que j'ai des problèmes d'Internet. Hein, parce que moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui demande d'être déconnecté toutes 5 secondes. Hein. Donc voilà, du coup, j'ai eu un problème d'Internet. Et ça commence bien à me faire peur parce que si au cas où je suis trop absent, enfin j'ai trop de problèmes de plantage internet à cause d'internet et que ça me bannit à cause de ça. Vous voyez cette crypte au sud? C'est là que se trouve le fragment céleste. Là-bas? Là-bas au fond? Parce que c'est assez assez fort lourd. La crypte elle est là-bas, c'est ça. Hein. C'est pour vite vous montrer un peu à quoi ça ressemble, quoi. Le jeu, mais je n'irai. C'est vraiment pas fait pour forcément filmer comme ça, mais ouais. C'est ça. Ils ont quoi eux? Ah, c'est vide. Donc là aussi. Oula, le casque. Joli casque. Ah, ces gantelets-là, ils sont mieux. Quoique, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Voilà, on sait jamais. Je voudrais juste peut-être qu'on puisse voir mon apparence normale. Ouais, désolé si je suis pas assez proche du micro, mais je peux pas tout faire. Je sais plus, personnage, ouais. Récompense, quoi. Recevoir. Pas compris.
sais pas à quoi ça sert. On était où moi encore? Ah oui. Du coup là, elle m'a demandé quoi la meuf, crypt, et y a quoi? Y a rien ici. Mais après les graphismes, je trouve que en ultra c'est bien, mais si ça me pompe, c'est quoi ça? Pourquoi il est bon, il est con quoi. Après si c'est trop lourd, ça sert à rien. Donc peut-être que je peux vous montrer un peu les options qu'ils m'ont mis. Vidéo, mode affichage, voilà. Ce qu'ils m'ont mis, c'est en fait voilà, graphisme ultra. Je pense que sincèrement, oh, c'est largement suffisant. J'espère que j'ai pas internet qui a coupé encore une fois. Ça sent mal ça. Bon, ah voilà, si j'y arrive, en tout cas je vais mettre sur moi les graphismes haut et pas ultra parce que ça a l'air un peu tout juste un peu lourd. Je suis à 30 fps je pense en ultra. C'est beau mais c'est un peu lourd. Par contre c'est bizarre que ça soit aussi long, c'est pas bon signe ça. Oh non, internet. C'est vraiment une tannée hein, pour jouer. Allô? Bah, je vous reprendrai si au cas où ça s'arrange. Pour pas vous faire trop attendre, vous. Ah, c'était un peu long, je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Donc voilà, ici nous sommes en haut, donc la qualité des graphismes est très haut. Par contre, je vois quand même qu'il y a, ben, j'ai beaucoup plus d'FPS quand même comme ça que en mode, ouais, je préfère comme ça quoi. C'est quand même beau, voilà, le jeu est quand même beau, hein, il est quand même magnifique, mais il n'est pas trop lourd quoi. Haut, c'est très bien, c'est suffisant pour moi. Parce que j'ai pas un super PC puissant en fait, c'est ça le problème. Donc haut, c'est suffisant pour faire des let's play pour vous et tout ça. Par contre ils m'ont dit d'aller dans une crypte mais je sais pas où hein. Là, je vais défoncer tout le monde. Ah ouais, c'est plus agréable hein. ça tourne beaucoup mieux hein. Putain, j'ai gagné sûrement 10 fps grâce à cette technique là. Bah oui, parce que c'est bien de vouloir avoir les graphismes au masque et à fond, mais certes je peux faire tourner en ultra, mais c'est assez limité quand même. C'est assez limité, je vais pas vous mentir. Des fois je vois que je descends à 25, à 20, 25 fps, parce que voilà c'est ultra quoi. Faut pas abuser hein. C'est trop haut pour moi. Par contre ici je vois clairement la différence, je suis au-delà de 30 fps, c'est sûr à 100%. Et ça me va très bien. C'est très bien comme ça et c'est parfait. Par contre je sais pas du tout où je dois aller, hein. Ça je vais pas vous mentir. Oh, il est moche ce chien. Elle m'a dit que c'est au sud, au truc là, j'ai pas compris. Je sais pas où c'est du tout. Mais alors pas du tout c'est. Hein. J'espère qu'on m'entend correctement. Regardez l'eau comme elle est belle. Regardez-moi ça. C'est magnifique hein. Donc c'est largement suffisant pour, comme qualité pour jouer hein. On est d'accord, la qualité est largement suffisante pour... ah oui, c'est toi. Et c'est suffisant quoi. Pas besoin de plus haut. Moi ça me va. Sincèrement, les graphismes en haute qualité sont suffisants. Le ultra, c'est vraiment si t'es un PC de malade. Là ouais. Moi tant que mon avatar il est beau. Et oui, il est beau. Il est beau gosse. Putain, qu'est-ce qu'il est canon.
Ça c'est un cagé de canon. C'est une vraie panthère. Qui va vous croquer tout cru, croquer. Oh là, il était au-dessus, lui. Donc c'est bon. Bon. Par contre, je veux bien, chérie, mais ta crypte, elle... c'est là-bas ta crypte? Non, mais non, c'est tout qu'on vient. Elle est où ta crypte, bordel? C'est une crypte, c'est quoi déjà? Elle est où cette crypte? Ah, elle est là. Ben, c'est pas ça. C'est pas le truc là-bas. Ça doit être le machin là-bas, la crypte là. Le truc, le grand bazar là-bas au loin là qu'on voit. Ça doit être ça, je pense, la crypte. Sinon, je vois pas ce que c'est. Hein. En niveau. Cool. C'est pas une bonne nouvelle ça. Il y a encore un monstre qui me suit? Non. Ok. Non, je suis tout seul. Hein. Ouais, regardez, graphiquement, il est très beau, mon personnage. Il est très bien comme il est. Hein. La qualité est suffisante. Hein. Qu'est-ce que compétence, animaux. Ouais, quoi. Je sais même pas comment on fait pour ça, en fait. Maintenir assigné X. Je sais même pas comment on a pu pour activer ce truc là. Donc voilà quoi. Quand on a monté de niveau, c'est où? Ah, c'est dans compétences. C'est un mec là? Bon, ça me précise pas que c'est un joueur. Hein. J'en ai aucune putain d'idée. Je sais toujours pas comment on ferme. Win BDF. Mais non, c'est le win, c'est les ruines de machin. Bon, meuf, tu me fais tourner en rond là. C'est où? Je ne sais pas pourquoi, mais les éclats célestes tombent souvent en des endroits fort peu pratiques. C'est une des plaisanteries cruelles de Tamriel. Ramassons, bien sûr. Cependant, ne tardons pas trop. C'est une sentinelle monstrueuse appelée Gargouille. Mais il n'y a pas de, il y a pas de golem ici. Je n'en vois pas. Pourquoi elle me parle de golem alors qu'il n'y en a pas? Ouh. C'est bizarre quand même son histoire là. Ah, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne, c'est en combat maintenant. Quoi. Ok. Par contre, vraiment sérieusement, comment. Oui. Comment on range son arme? Il y a toujours. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Le problème avec moi, c'est qu'on tourne rapidement en rond parce que je sais pas où elle veut que j'aille. Je vois pas le truc qu'elle demande. Ça crypte à la con avec le golem géant, je le vois pas. Donc du coup, ben, on tourne en rond et ça n'aide personne. C'est un peu chiant. Ok, j'ai eu peur que j'avais plus internet.
traumatise d'un homme. J'ai l'impression qu'il repop à chaque fois en fait. C'est ici. D'accord. Ah, c'est bizarre, je l'avais pas vu. Deux secondes, je vérifie juste un truc. À combien je suis en termes de temps. Ouais, ça va. Ça peut aller. Mais en tout cas, on a galéré quand même. Bon, en tout cas, voilà. Ici, on est. Voilà, elle est ici. On va se défoncer de sa gueule. Le mec qui continue à se battre, c'est bon, Jean-Charles. Non, je connais. Bon. Souvenez-vous d'absorber l'énergie de ce fragment? Incroyable. Ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais, mais nous pourrons nous en servir. Retournons à la porte. Ce mec est bizarre, c'est incroyable. Il n'a pas du tout fait ce que je demandais, mais c'est incroyable. Le problème, c'est que je dois me mettre vraiment très proche de l'écran et c'est pas très très agréable quand même. Bon, ben maintenant, c'est de retrouver le chemin de l'écran, de chemin du machin, et de pas me paumer. Ah oui, sincèrement, je vous dis une chose, c'est que depuis que j'ai mis les graphismes en haute résolution et pas en ultra, j'ai beaucoup plus d'FPS, hein. Je dois avoir 15 ou 20 ou 15-20 FPS de plus et c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Bon, vous, c'est du 30 FPS quoi qu'il arrive, hein, mais quand même. Crève, meurt, crève. J'ai hâte d'invoquer. Pour information, mon personnage qui est trop beau, hein, il est magnifique. C'est qui lui? C'est vraiment des joueurs? Non, non. Non, parce que ça me marque, il n'y a rien là. C'est bizarre. C'est vraiment un joueur? C'est étrange. C'est bien, il y a déjà un monstre, un animal de compagnie lui. Moi j'ai l'air d'un con avec mon truc toujours. Je sais pas comment on range. J'ai appuyé sur tous les boutons. Rien à faire. Mon personnage garde toujours. Oula. Là j'ai appuyé sur un autre bouton. Je sais pas ce que j'ai fait. Ficker. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah. J'apprends, hein. Bah, ça n'empêche, ça change rien que j'ai l'air d'un gros con là. Et c'est où encore que je vais aller maintenant? J'ai oublié. On doit toujours aller dans les ruines d'Alpha, c'est ça, hein. Oui, voilà, le seul moyen de ranger mon truc. Non, c'est pas du tout là. Je me suis trompé, c'est pas ici. Désolé, je me suis gouré d'endroit. Ah bah, elle a disparu. Je sais plus où c'est. Putain, mais je suis le seul à me paumer comme ça. Je suis le seul. J'en ai marre de. Oh, quel mignon. Ravageur donjon. Ok, ça marche. Du coup, j'ai paumé mon personnage, mon acolyte. Amélioré jusqu'au rang 4. Mais j'ai pas d'animaux, je sais même pas comment on fait pour en invoquer un. J'ai même pas de compagnon. C'est ça que je comprends pas, j'ai pris le truc avec les compagnons, mais j'ai même pas de compagnon. Je sais même pas comment on fait, tellement que le truc pour moi ça n'a aucun sens le machin. Je comprends pas comment ça fonctionne. Regarde, j'ai l'air d'un con en plus. Comment on fait pour pouvoir invoquer un. Ben voilà quoi, enfin soit.
Oui, et je confirme que je suis dans les 60 FPS, hein. Putain, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Et graphiquement, ça reste très beau, malgré tout que ça en simple haute résolution. Bon, comme vous avez compris, je suis le genre de personne qui galère à mort à trouver son chemin et qui est tout le temps paumé. C'est quoi? Du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Bon, on va prendre ce chemin-là, donc, quand même. Aïe, c'est qui? Ouais, bon, j'ai pas le temps. Ah, c'est ici, je pense. Pourquoi je peux pas rentrer? Ah, c'est bizarre ça. C'est parce qu'il y a un combat que je peux pas rentrer, mais nique-toi, baisse-toi. T'as vu, qu'est-ce que tu me peux faire? Hein, crève, décède, meurs, tu sais pas. Laisse-moi tranquille, laisse-moi rentrer dans le truc. Ouais, c'est ça, c'est ce connard qui m'empêchait de rentrer. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais, c'était pas. Ah oui, c'est fluide. Ah oui, c'est autre chose. Ah oui, je confirme que j'ai beaucoup plus d'FPS depuis que je me suis mis en haute résolution, hein. Et c'est largement très bon, hein. Elle a disparu. Je sais pas où elle est, la meuf. Ah, elle est là. Qu'est-ce que tu. D'où tu étais? Je crains que nous n'arrivions au moment le plus effrayant. Une fois de plus. Allez, en route. Ah, j'avais crash. Allez, on farm, on farm. Vous avez réussi. Espérons que la galerie n'a pas été trop endommagée. Suivez-moi. Ah voilà, vous avez compris. Mon seul défaut. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon personnage. J'ai pas compris comment on fait pour compagnon. Rien pigé, je ne sais pas du tout comment on fait pour avoir un animal avec. C'est génial, non? Ah, j'ai fait quoi là? Ah, ben, j'ai invoqué un truc, mais c'est pas vraiment ça en fait. Toutes les étoiles, regardez la colonne centrale. Je ne savais pas qu'elle dissimulait une chose pareille. Allons y voir de plus près. Pas compris ce qui s'est passé. Je fais des n'importe quoi et je comprends pas ce qui se passe.
Ah, c'est assez bizarre quand même que. Ah, je ne peux pas ouvrir cette porte. Je sais pas à quoi ça sert, mais je fouille. Je prends tout. Je m'en bats les couilles. Je pense qu'on va se quitter ici, hein. Vous avez compris le principe du jeu. Je vais pas faire une vidéo de 6 heures, hein. Ça sert à rien, j'ai pas assez d'espace de toute façon. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Du coup voilà, le jeu c'est mon nouveau passe-temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi je vais jouer dans mon coin. Ah, j'allais dire que c'est pas bon signe s'il n'y a plus de réponse, c'est que j'ai crash. Oula. C'est bien la galerie du Seigneur, mais pas comme je me souviens. Maintenant, je comprends pourquoi nous n'avons pas réussi à ouvrir les portes. Leur puissance provient de cette hélice arcanique. Incroyable. Maintenant que l'hélice est exposée, les portes peuvent enfin s'ouvrir. Peut-être pas toutes, mais assez pour rejoindre différentes régions de Tamriel. Alors, j'imagine que vous devez décider par où commencer. Pas vraiment. Il n'y a que cette zone-là qui est ouverte. Donc voilà quoi. Vous rendez-vous compte? Regardez autour de vous. Maintenant que l'hélice arcanique est exposée, la chambre crépite littéralement de magie. La galerie du serrurier a pris vie. Et je comprends enfin pourquoi. À cause de vous, l'heure est grave en Tamriel. La guerre fait rage en Cyrodiil. Les princes des draps conspirent. Les dragons étendent leurs ailes sur Elsewhere. La deuxième ère a besoin de sauveurs. Je pense que la galerie, et peut-être même la tour adamantine elle-même, vous a choisi. La galerie du serrurier a ouvert des portes vers les quatre coins de Tamriel. Des endroits qui, à mon avis, ont tous désespérément besoin de l'aide de héros. À vous de choisir. Alors, avez-vous choisi où nous irons? Quelle région du monde vous fait envie? Qui ça, moi? Non, j'ai du travail. Les Sindéril veulent inspecter chaque centimètre de cet endroit. Puisque c'est moi qui l'ai découvert, je vais sans doute me retrouver à diriger ces études. Moi, je m'en bats les couilles, hein, personnellement. Oula, ça a été trop vite, j'ai pas eu le temps de... Ah, mais moi, ça me va, ici. Nous prions à votre volonté et en appelons aux chaînes de Havreglas. Ces membres mènent un rituel pour préparer l'arrivée d'une autre noire. Oh, qu'il est beau, ce que j'ai. Vers Oblivion. C'est pire que ce que nous pensions. La coalescence a commencé. Les portails lus notre côté au leur. Cela veut dire qu'un traître se trouve à Dune. Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Aller comprendre la logique d'un prince. Il prétend que ça accomplira une prophétie qu'il a lue dans ses mots. Imaginez que votre némésis réussisse là où vous avez échoué. Que la voie s'ouvre. Je suis patient. Que la volonté de Molag Bal soit contrariée. La fin de Nir, mes proches. Très jolie présentation. Donc ça charge, moi je vais vérifier un truc. Et où ma souris? Ok, on a 21 minutes. Okay. On va se quitter ici, je pense. Je pense que on a bien avancé. Wow, regardez comment le jeu il est beau. On se quitte ici, regardez-moi ça. Je suis en haute qualité et malgré tout le jeu est juste magnifique. Pas besoin de plus haut, c'est bon, ça fait le taf. Regardez-moi ça, cet effet de d'eau qui est juste magnifique. Non, il n'y a pas de problème, tout est beau ici. Donc moi je pense qu'on va se quitter et le jeu est très fluide, surtout c'est le plus important, je suis à 60 fps, ça c'est sûr et certain, 50-60, il n'y a pas de doute avec ça. En tout cas je suis entré assez haut fps pour jouer. Oula, le mouillé, je dois vous parler. Oui, après je suis en train de faire le tour pour montrer aux gens, parce que je vais quitter, je vais fermer tout. Donc voilà, le jeu est magnifique. Ah, c'est comique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand je dois montrer des choses... Tiens,
très rapide. Encore une récompense. Bon, vous avez compris, hein. Comme vous voyez, le jeu, il est très beau, il est très beau. Bon, j'ai l'air d'un con maintenant. Il est très beau graphiquement, il est magnifique. Tout tourne super correctement, hein. J'ai pas de lag, c'est très beau. De toute façon, vous voyez quand mon personnage avance, vous voyez que le niveau d'FPS est assez suffisamment correct et il n'y a pas de frame bizarre ou quoi. Enfin, en bref, voilà. Donc on va se quitter ici, moi je vais jouer dans mon coin tout seul. Je vais pas m'amuser à... Oula. Discord, bank, daily activities, crafting house, no fee. J'ai pas accept everyone, click on message to join. Pourquoi on parle de Discord, j'ai pas compris. J'ai pas compris là. Bon soit. Du coup je vous dis à bientôt. J'ai pas pigé l'histoire de Discord. Du coup voilà, il est trop beau, il est de toute beauté, il est magnifique mon personnage, j'en suis très fier. Oula. Et à plus et portez-vous bien bande de trucs. Et parce que ça va commencer à pomper en termes de taille d'espace libre. J'aurai plus de place sur mon disque dur. LOL.